happening? Huh? What's up? Bonjour à vous, chers internautes de Génération Nintendo, ici Spydark, et nous sommes ici pour ce premier Let's Play. Comme vous l'avez pu remarquer, il s'agit bel et bien de Sonic Adventure et de la version DX du jeu. La version Sonic Adventure DX était sortie sur GameCube en 2002, ils ont décidé pour ce premier Let's Play sur Génération Nintendo de choisir un jeu où il y aurait mon héros de jeu vidéo préféré. Et en effet, mon héros de jeu préféré, voilà les lapsus. En effet, mon héros de jeu vidéo préféré est Sonic. Donc je vais arrêter de parler vite et pour mettre une raclée à cet ennemi qui se nomme Chaos. Voilà, on a vécu Chaos, c'était plus simple, hein, c'est le premier boss du jeu. Alors Chaos sera l'anti-protagoniste du jeu durant tout le long de l'histoire, donc essayez de bien le mémoriser tout de même. Puisque c'est un ennemi très spécial, un ennemi assez charismatique de l'histoire de Sonic. Come on, you big drip! Where you going? You know nothing, fool! It's Chaos, the god of destruction! Ok, il s'agit bel et bien du Dr. Eggman, hein, que nous connaissons tous. Alias Robotnik, hein, pour la franchisation. Hein? What? Tails? Watch out! You're gonna crash! Ah! Tails! What am I gonna do with you? Donc là, on va attaquer le premier level. Alors déjà, la toute première version de Sonic Adventure, était sortie en 1998 sur Dreamcast. Ça devait être mon premier vrai jeu, mon premier jeu qui m'appartenait avec ma console qui m'appartenait, c'était la Dreamcast. Alors pour moi, la Dreamcast c'était juste une console magique par ses jeux, c'est vraiment une console que j'idolâtre, particulièrement. Donc là, bah, pour cette première mission, c'est très simple, il suffit d'aller sauver Tails. Donc les graphismes, ça se voit que c'est du Dreamcast, hein, c'est quand même assez beau, c'est coloré, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Alors Sonic commence à acquérir le lock, je crois, hein, c'est comme ça, voilà. Sauter sous les ennemis comme ça. Sinon on a toujours le spin dash qui s'est enlevé sur le Sonic Next Gen par la suite, sur le Sonic 3D.
que le spin dash, je me souviens bien, il est enlevé à partir de Sonic Adventure 2. Donc auprès de cette sœur, un petit bug de Chung, le jeu en était toutefois bourré, c'est la seule chose que je reproche à Sonic Adventure. C'est qu'il était particulièrement rempli de bugs. Vous voyez, ça va très vite, hein. Franchement, à l'époque, j'avais ça dans les yeux, je trouvais ça tout simplement énorme. On reconnaît très vite un fan de Sonic d'un fan de Mario. Un fan de Sonic adore la vitesse, donc un fan de Mario préfère lui la plateforme plus ailleurs. En l'occurrence, moi, si je joue à Sonic, c'est pour la vitesse, encore. Donc, ouais, simplement. Pour ma part, les derniers Sonic, je les ai trouvés vraiment bons, hein, Sonic Generation et Colors, car ils offraient ce que je veux quand je joue à Sonic, c'est-à-dire de la vitesse. Après, il y aura toujours les puristes, trop lolo, le rétro vide, le rétro, qui diront que c'est mieux Sonic en 2D, blablabla. Mais bon, leur vu Sonic en 2D, ils sont pas contents, en effet. Sonic 4 épisode 2 est sorti. Et ces puristes n'ont pas été contents. Je vais savoir pourquoi. Enfin, bon, après cette petite phase de. sur l'histoire de Sonic. Eh bien, je vais pas tout de suite parler de la durée des épisodes. Les épisodes dureront entre 20 et 30 minutes. Hein. C'est une structure est plutôt favorable, hein, je peux vous bouffer toute votre journée. Et puis c'est peut-être une heure vous, un horaire vous préférez, parce que voilà, c'est pas trop long, c'est pas trop. Voilà, voilà, pensez à prendre le checkpoint. Hein. Jump on panel number 1. It will take you to panels 2 and 3. Alors, level en question pour ceux qui ne c'est Emerald Coast. Faut savoir qu'il y a un mode qui a été créé pour Sonic Generation, version PC bien sûr, où ce mode a été complètement refait sur Sonic Generation. Cette map plutôt a été refait sur Sonic Generation et ça rend vraiment bien. Donc, on va aller secourir notre. Donc, on a secouru notre ami Tails et je vais vous laisser avec la cinématique. Yeah, not bad! Long time no see, huh? I'm just glad you're okay. What happened anyway? You're too good of a pilot to just crash like that. That was a test run using a new prototype propulsion system. It's got a few bugs to iron out. Why not just use my plane, the Tornado? Thanks, but you gotta check out my newest power supply. Ta-da! Une émeraude du chaos. Whoa! A Chaos Emerald! Yep, I just happened to find one of the seven emeralds during one of my test flights. This thing's got unlimited power, you know. So I figured, why not use it to power my plane? Supercharged! You gotta come over to my workshop, Sonic. I've got something I've gotta show you. It's in the Mystic Ruins. The fastest way is by train. Let's go! On peut jouer avec Tails. Voilà, donc on a débloqué Tails, parce qu'il faut savoir qu'en fait, ce Sonic Adventure, la particularité, c'est qu'on va pouvoir finir le jeu avec 6 personnages différents, il me semble. Tails, Amy, Knuckles, et Big the Cat, et maintenant ça en fait 5. Voilà. Et puis aussi, une fois qu'on a fini la fin avec ces 5 personnages, on débloque un 6ème personnage qui est... Surprise, j'ai pas où spoil. Vous pourrez aller vous renseigner pour savoir qui est ce fameux 6ème personnage. Au départ, on va finir le jeu avec Sonic, hein, c'est un peu normal. Ensuite, on enchaînera avec Tails, puis Knuckles, puis Amy, malheureusement, puis le 102, et puis Bill the Cat, voilà. Maintenant, ça fait... Ah oui, ça fait 6 personnages! Oh là là, 6 personnages, puis ça fait... Je sais plus compter. Donc on doit se rendre au Mystic Ruins pour aller donc, au garage de Tails qui va nous montrer son dernier bolide.
Faut savoir que l'aventure de Sonic est la plus longue, c'est plus normal, je veux dire. Ensuite, la plus courte, je dirais que c'est celle de Big the Cat. Ça tombe bien, est-ce que c'est la plus emmerdante? Faut savoir que Big the Cat a un gameplay bien à lui, en fait. Durant tous les levels, on va pêcher. Voilà, Sega a voulu faire un gros clin d'œil à une de leurs autres licences. Je vois plus le nom, c'est un jeu de pêche. Voilà, d'ailleurs, il y a les poissons de ce jeu dedans. Bref, voilà, faut aimer, c'est un petit peu parti hors sujet, mais heureusement qu'il dure pas très longtemps. Donc ça, ouais, ça c'est le tout. Faut dire que c'est le vrai tout premier Sonic 3D, hein, Sonic R, on aura plus Sonic 3D Blast aussi. Sonic commence à parler, et donc on peut voir qu'il commence à être assez... à comparer pas mal Eggman, ce qui donne tout le charismatique, le côté charismatique de Sonic. Excusez-moi si je fais des bruits de fond, je n'ai pas vérifié la qualité de mon casque. Je peux pas vérifier la qualité de mon casque là. Donc bien c'est parti, deuxième boss. Qui n'est que d'autre que Eggman dans son Egg Hornet. Machine que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, une certaine classe, ce Egg Hornet. Voilà, en fait, très simple pour battre Eggman, faut juste attendre qu'il plonge. Voilà. Donc pour l'avant, pour l'instant, les boss sont assez simplistes, hein, mais par la suite. C'est un peu plus hardcore, notamment avec une nuit de vie un peu plus longue. Beaucoup plus longue. All systems, full power. Voilà, on a donc battu Eggman dans son Egg Hornet. Hey, I'll play with you some other time. La base virale VPS a été mise à jour. Merci Avast. La base virale VPS a été mise à jour. Well, that wasn't so hard. Oh no! Come on, Chaos. Time to eat! Chaos? Voilà donc notre fameux Chaos et on va pouvoir remarquer que Chaos évolue à chaque fois qu'il absorbe une Chaos Emerald. En l'occurrence, son bras droit est devenu bien plus costaud. It's just as the stone tablets predicted. His strength increases every time I feed him a Chaos Emerald. With all seven emeralds in him, he'll be invincible and work for me. Together, we'll destroy Station Square. And on its ruins, I'll build Robotnik Land, the ultimate city, where I will rule it all. Come on, Chaos, let's find another emerald, shall we? Can't let him get away with this, can we? No way, Tails! Without more emeralds, the monster can't transform! So, it's up to us to get the emeralds before Eggman does, huh? Donc voilà, voilà. Donc, Eggman a volé l'émeraude de Tails et l'a fait absorber à Chaos. Donc, en l'occurrence, il va falloir trouver toutes les autres émeraudes avant
avant le Batnik. Donc là c'est l'objet qui va nous servir à débloquer le prochain level. Donc parfois il faudra porter des petits objets comme ça qui serviront. Alors faut savoir aussi que ce Sonic c'était l'apparition du jardin des Chaos. Des Chaos je crois. En fait on a vu des petites bestioles, pas méchantes. Petit côté Tamagotchi. Parce que je me souviens qu'à l'époque, pour ceux qui connaissent les manettes de Dreamcast, on avait la petite carte mémoire dessus avec un écran. Et donc on voyait son petit Chaos évoluer, c'était assez sympatoche. Donc c'est parti pour le deuxième level, sûrement le dernier de la vidéo, avant l'épisode 2. Donc je sais pas si je tournerai l'épisode 2 juste après, j'attendrai peut-être d'avoir vos commentaires qui pourraient être parfois constructifs pour l'épisode 2. Sachez que ça va être posté au moins 2 épisodes par semaine si j'en ai le temps. Puisque notre cher Dragon Blue rafle du contenu, il veut toujours du contenu, plus de contenu. donc faut savoir que moi en plus de ce let's play, je ferai le Zapping News, hein, notamment je ferai, je pense, faire le premier. Ensuite Naru quant à lui fera du let's play, Sasuke, eh bien, je sais pas. Donc Sasuke, déjà on fera l'interview de Chris Durant quand on aura assez de questions, donc eh bien n'hésitez pas à poser les questions à Chris Durant, vous les envoyez à moi ou à Sasuke pour cette interview qui sera sympatoche. Voilà, donc on est sorti de la tornade et là on va attaquer la seconde partie du level. Ceci c'est sûrement un de mes levels préférés dans Sonic. Mais bon, mon level préféré sera Speed Highway qu'on découvrira bien plus tard. Donc il y a Tails qui le gâche la vue. Un petit peu le Navi des Zelda. Oh là 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 là. Bon, surtout si vous avez une idée de deuxième let's play ou d'un let's play que je pourrais alterner, hein, pourquoi pas. Si j'en ai la force, que j'ai aussi, faut savoir que j'ai aussi ma chaîne perso à gérer. Si vous avez une idée de l'espèce secondaire que je pourrais faire, n'hésitez pas. En tout cas, je pensais, après avoir fini ce Sonic Adventure, attaquer un jeu dont je ne cesse de parler, et Sasuke aussi d'ailleurs, Being Good and Evil. Being Good and Evil, voilà, donc, eh bien, vous me direz ce que vous en pensez, perso, c'est... Sonic Adventure, c'est un de mes jeux préférés, mais Being Good and Evil, c'est juste mon jeu préféré. Voilà, on a donc trouvé la deuxième Chaos Emerald, et on va pouvoir clôturer cet épisode, ce premier épisode. Eh bien les amis, on se retrouvera donc pour le deuxième épisode. Je regarde s'il n'y a pas une cinématique avant, je ne me souviens plus trop. Non, voilà, c'est bon. Donc on se retrouve pour le deuxième épisode les amis. Donc à plus pour le deuxième épisode. Bye.